Silaka, souvenir gai wa shala kwetu, kwetu katutu ba manya nzembu, kwetu katutu ba manya kabulimu, chilomba we wa kui mwenza, kwetu netu shala kubundu, jakale manye tu simwewa, etabe na luku na bafisi wubundu, fachi veto uwa kwa kwa musambu wanyu. Maître Bébin, écoute cette chanson. Ça vient du président Desayo. Donc, c'est un jeune musicien, un artiste musicien qui chante en Tchiluba. Translation. Donc, il dit que Mandal était Silaka, Fachi Béton, chez nous, on ne connaît pas de courant, on ne connaît pas de route asphaltée, on ne connaît rien, donc vous devez faire quelque chose pour le Kassai. Enfin, c'est un peu, en gros, ce qu'il chante, c'est un Kassaïen qui chante, voilà. Alors, c'est Kenjomou Kenji, le môme Sam de l'UDPS, votre frère. On est là pour essayer de parler de la politique, quelques éléments qu'on a essayé de rechercher par-ci par-là. Alors, voilà, la liste s'allonge, la liste des traîtres s'allonge. Hier, je voudrais parler du faux prix Nobel de la paix, le Burundais Mukwege. Aujourd'hui, maintenant, je vous parle de Ambongo, le faux cardinal Ambongo, un voyou, un tribaliste, un kabiliste. Lui aussi, il est contre. Bon, là, je vois, Roloba, terme, on a pas YouTube, à zoka, t'as vu, celui-là, retro. Non, mais il faut la mettre en rang, là. Vous allez comprendre. Hein? Donc, la levée du moratoire. Donc, voilà, il y a Dayachou. Il y a Dayachou. Francine Esther, vous avez besoin d'aider pour YouTube sur votre terme. Vous comprenez de quoi je parle. Voilà. Levée du moratoire de. .. Donc, Dayachou. Donc, terme, code Nabiso Yangwana. Alors, je vais lire quelques commentaires des amis. Au Batine Lingay, aux yeux de Miswake Jomu Kenji. Ou partager, voilà. Donc, voilà. Alors, ton temps, moi, ma commentaire, moi, rapidement. Makobolaï, oui, merci beaucoup. Dieu nous garde. Merci beaucoup, mon frère. Luis Mwembo, je te salue. Et Gabi Mwembo, voilà, que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse plutôt. Octave Konzo, il dit ceci. Mukwege est contre la peine de mort. Lui qui réparait les femmes violées. Connaît bien la souffrance et l'horreur qu'ont subi ces femmes par les assaillants, c'est-à-dire les terroristes. Ces femmes, de savoir que Mukwege est contre la peine de Dayachou. Voilà, Belotim, à vous, mon petit soeur propre, je te salue. Angela Bakaji, la Pessimote, femme d'affaires, maman là-bas, Yvonne, je te salue. Maman Ghislaine Choa. Elle est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, je te salue. Voilà. Alors, Claude Mingilay, le sage Claude Mingilay, au Canada, je te salue, mon frère, voilà. Alors, Balakong, on dit ceci. Kenzo, tu as raison, 100%, raison pour le programme d'enseignement primaire et secondaire. Pour la punition de balayer la cour de l'école. C'est une vérité. On nous a formaté à haïr le travail qui constitue la clé même du développement. Mawaming, voilà. Donc, il faut tout changer par Dimewana. Voilà. Moi, les hommes, ils ont un mot simple. Tout le monde comprend la subconscient de l'abysso et qu'il y a déjà. Si tu es au Congo, combat, tu vas considérer ça comme une punition. Tu es au Congo, pas où. Ça, la bilanga, on le considère comme une punition. Alors que, ils ont un abrutissement. Voilà. Dessayo, moi, ma présidente Dessayo, moi, m'a dit ceci. Je soutiens votre idée de barrer la route de Vital Kamerhe à la présidence de l'Assemblée nationale. Alors, Mukwege a peur aussi parce qu'il est traître. Plusieurs de ses médecins qui travaillaient dans son hôpital de Panzi résident au Rwanda, mais travaillent en RDC. Donc, voilà, Mukwege, un aventurier, tout et tout là. Alors, Marie-Jeanne Chilanda, elle dit que Kamerhe doit comprendre que le temps
d'aventure est déjà passé. Il reste gros au Congo. Voilà, Keba. Serge Yoka, la bête de Nolanga. Mon frère, tout ce que tu vois ici sur cette chaîne est significatif. Chapeau Oyo, il a une signification. T'as les abasouda, il a une signification. Nyon, tout le monde a une signification. Drapeau, Maramboutou, il a une signification. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, l'homme a fatigué qui, à l'obi, comment nous, Congolais, accepterons toujours les étrangers comme dirigeants dans nos institutions. Voilà, donc il faut te barrer route na Moutouana, voilà. Donc voilà, c'est un peu ça. Nani Moussousou, Awa. Marie-Jeanne, maman Marie-Jeanne Kalonji, que je salue. La pétition de maman Marie-Jeanne Kalonji. Alors, elle m'a laissé un long commentaire. N'attends pas à moi, mais à l'obinini. À l'obi que, en RDC, Mukwege est issu d'une génération spontanée. Heureusement que le pasteur Bobo avait rencontré maman Nelly. Maman Nelly, ouais, c'est bizarre que Mukwege a Burundi. Ses parents occidentaux n'ont rien à dire. Nous sommes un État souverain et le peuple congolais, souverain primaire, s'est choisi son président Fatshi et à l'écoute de son peuple et non des impérialistes. Voilà. Merci beaucoup, ma chère. Voilà. Alors, Big Master Valarien, je te salue. D'après son beauté, il y a la fin de la formation et la prestation des officiers. La prestation des serments des officiers à Kananga est un signal très fort à Kagame. Et ses parrains, ainsi que leurs officiers tout rwandais issus de brassage et de mixage. Voilà, merci beaucoup. Robert Mukendi, je salue. Il dit ceci, Antolomi, en appelle Simbote, Maître Gunther, en appelle Simbote. Il dit, Mukwege, tika Mubulu, soit il n'a rien compris sur la crise sécuritaire à l'Est, soit il est dans une opposition sans soubassement, un opposant de pacotille. Chim Junior, le binara qui est donc Kenjo Mukendi, Fedisege de Atika Kukamba, Mboka Lokola, un pasteur. Voilà. On les a aidés na yo. Mais, Keba, Azamoutoua stratégie, ma kasi. Alors, André Makiese, André Makiese, tu salues mon frère. Alobi Boye, Alobi, je suis contre ceux qui appellent les rebelles, c'est-à-dire les terroristes, au bas de la M23, des compatriotes congolais, comme Nanga, Kikaya, Chaloupe, ceux qui n'ont pas ni Nouana Bounaba, Jean-Jacques Mamba. Ils ne sont pas des compatriotes, car un compatriote est celui qui contribue à l'émergence de son pays. Voilà, merci beaucoup. Dengue, Opesi, Bisso, Ide, Oyo. Voilà, merci, merci, merci. Alors, Batoise, Bélé, Albert, Montoka, Munda, Lamoni, commentaire, Nayo. Voilà, voilà. Alors, voilà, moi, ma commande, Jamatoko, Namoni, Namoni, voilà. Alors, Foka, Toka, Tamanda, Mboapo, surtout le Bito Kende. T'as les ok. Voilà. Alors, commentaire Moussousou, oh, Nazalaki Nayango, c'est mon frère Isidore Kabashi, je salue. Il dit ceci. Ayoki, intervention, il y a grand philosophe Douedou, l'explication du grand philosophe Douedou que je salue en passant. A lui, mais normalement, lui, il a beaucoup plus parlé sur le prix du loyer et le comportement du commissionnaire. Alors, bon, gars, il est dans quoi, tu sais, qui dossier à taxes, tout et tout là. Et puis, la taxe sur le revenu locatif, c'est une bonne chose. Mais jusque-là, je crois qu'elle est payée par ceux qui ont des maisons commerciales. Il est en général. Pas par tout le monde. Voilà, donc il faut tout percevoir taxe. Voilà. C'est très important. Mon frère Isidore Kabashi, bon, je veux dire ceci. Hein. Alors, pour le prix de loyer, vous savez, le prix de loyer, c'est un... bon, on te fout, il y a loyer, ça, le prix d'un service, d'un bien, nous, bah, bien service. En économie, c'est un problème de la demande. Lorsque la demande augmente, le prix augmente. C'est-à-dire que, shortage, shortage d'anglais, en français, dans ce débat, il y a carence des maisons. Il y a moyen, toujours insister dans l'autorité, gouverneur, il y a une épaisse au coma gouverneur à Kinshasa, abandonne la rotonga, asika, bah, logements sociaux. Il y a mon nga qui j'en gagne au mona, il y a, oh, banzela, oh, banin, ok, c'est bon. Mais, et l'on a dit, bosso, on te soupe ta sété, abandonne la rotonga, bandaku. Diabanza, mon année, mais, aux alliés, nouveau, honorable Diabanza, aux alliés, nouveau,
député provincial, il y a un logement social. C'est facile à le faire. Je crois beaucoup que ça est. Alors, je suis Nazolinga, ce qu'on a compté à Mandambou. Non. Maître Bébé, je te salue. La pression beauté. Jean Louboya, ok, Ndagi, n'a pas mon aote, voilà, aux ongi, bon, voilà. Vous avez bébé, ok, Ndagi, bonsoir, Rara, ça va. Alors, vieux Nara Toko Maurice, je salue mon vieux Toko Maurice, maman Janet Clélo, maman Sophie Condé, parfait goût, je salue. Alors, vieux Abengingaï, Arobe Kassete, pour conseiller beaucoup plus le Kassaïen, parce que lui, vieux Toko Maurice, c'est un membre de l'UDPS, c'est un grand combattant, il vit aux États-Unis, il est à Ralé, Yaza Mouyombe, Aza Nekong, ce qu'on appelle sa toli, na ba kasaye ba louba. Ok. Le secrétaire général Augustin Kabouy a commis une erreur. Puisque tout le monde a commis une erreur, tout le monde a commis une erreur. Mais pourquoi les gens doivent profiter de cette erreur? Puisque l'erreur est humaine. Augustin Kabouy, le secrétaire général Azamoutou, c'est un humain, c'est un homme. Ce n'est pas un dieu. Il n'y a que Dieu qui ne commet pas d'erreur. Il a commis une erreur. Voilà, bon, voilà, on le conseille et puis on passe. On remarquait que tu vas profiter de l'Ogoana pour le salir, l'immunier, le ridiculiser. Pourquoi tout ça? Et Dieu te Maurice Azali Mukongo, il observe cette scène. Atalia le biga, kakabalou, baba kasayen, ne bazoko, finga, Augustin Kabouya, ne gonabago, kasayen. Yavola yazo mema, sagesse, yaba Kongo, nakachawana. Donc moi, je suis sali et ma bé. Pour boire, sur moi la tumbi mundaku, pour zoaye te boire qui la kacha, ya moto. Voilà. Donc, le secrétaire général Augustin Kabouya, a salabi lo kamalabu, e belé, la kacha parti. Alors, to lingate to, a partir de rien, wana sali, to lukato, to pesa ye, to boire qui la kacha moto. Non. Vu nanga, Maurice, a pesi conseil. Alors, t'as profité toujours de peut-être un conseil à Augustin Kabouya. Quel genre peut-être un conseil? Na Augustin Kabouya, secrétaire général, n'a pas membre à UDPS, oh, il y a autour de lui. Oh, yo, bah, la chance, il y a autour, il y a, secrétaire général. Pour Bissot, dans le téléphone, n'a mais si on va bien dire, secrétaire général, il y a un baranaïté. Il y a un baranaïté. Ah, bah, d'abord, il y a un malibosso, mais il y a un baranaïté. Alors, bateau, bah, autour, il y a le secrétaire général Augustin Kabouya. N'a secrétaire général Augustin Kabouya. Regardez la prison de Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound était plus puissant que Kabouya. Botala Asukiwat, la prison. Donc, Fatih Beto observe tout. Quand il décide, attend la sous-cimenté. Donc, bon, pèse sa sécurité générale, il y a conseil à Malam. Binon, bon, la privilège, il y a autour à Mokonzi. Bon, pèse sa ma conseil, il y a Malam. Ce qu'a c'est l'erreur, à se rebiffer. Fatih Beto, peut-être un exemple à Fatih Beto à Genève. Il avait commis une erreur. Et il s'est excusé. Voilà, c'est un peu ça, un chef. Et ça, c'est d'une part. D'autre part, bah, détracteur, il y a le secrétaire Augustin Kabouya. Oh, le secrétaire Augustin Kabouya, Kabouya, il y a un poste, il y a famille, il y a un frère, il y a une église, tout et tout. Alors, aucun exemple. Nan na moni ba pesi nga combo, nan fonction au Kabouya, pesi ndegonaye, a pesi membre ba église, membre église na bango. Nan mon exemple à ta morote. Combo na fonction na moussala. Nan monite. Ils sont seulement dans le générique. Oh voilà, apesibo. Mais donnez-nous les exemples. Oh voilà, ministre tel, Azalif Kouzeya, Augustin Kabouya, Azamamba IDPST, ba pesi poste. Voilà. Mandataire tel, Azamamba IDPST, ba pesi poste tel, abo et tout et tout là. Pesa biso ba élément. Ba élément à ta morona n'ola. Dans la route. Alors, que je vous kendi, mbangu, Ndele boye bi kenzo, na keka ma kamunanga ya, ku conseiller ba Congolais, d'abord. Ku pesa d'abord ba conseiller na ba Congolais, je suis tombé sur un élément, président Bagdad, bebe Tshitenge, ambassade Michel, na pesi mbote, yem tatinge lima. Boye ka élément oyo. Voici les 10 pays les plus riches du monde selon l'intelligence artificielle. Si tous les pays utilisaient leurs richesses naturelles et économiques pour leur propre développement de manière efficace, sans détournement de fonds, corruption ou exploitation excessive. Numéro 1, République démocratique du Congo, RDC, riche en ressources naturelles telles que les minéraux, les diamants. Voilà. Batangaki 10 pays, Batangaki en haut numéro 1, Nigeria, Russie, Batangaki, Bayer, Bapaya, Afrique, Bélé.
Alors, Kenjo Mukendi dit ceci. Ce genre de vidéo que nous avons voté, c'est pour endormir davantage le peuple congolais. Les vidéos sont somnifères. Les Congolais sont des gens qui ont été c'est un pays riche. On a des diamants, des compteurs. Les Congolais sont des gens qui ont été c'est faux. Foutaise. L'unique, la première richesse pour un pays, c'est sa population. Population. Je répète. L'unique et la première richesse d'un pays, c'est sa population. Donc, bah, diamant, bah, coltan, bah, blorana, bah, blorana, tout et tout là, ça vient après. C'est d'abord la population. Voilà, c'est un peu ça. Et Fachi Béton le sait, à chaque peuple, il y a un centre, car la mignité, bon, au monde, à Congo, ouf, il vous mate. Alors, j'ai encore une deuxième vidéo. Donc, quand il y a un peu de cousin, ça va conscience, ça congolais la place. Voilà. Dans la petite vidéo, et puis, n'a commenté. Papa Kaninda, je salue. Jean-Marie Chibangou, n'a pas si mote. Oza ma vidéo, n'a bino, n'a pas si bino. La capitale de la province du Sud Kivu, nous avons décidé de partir vers les mines d'or de Kamituga. À raison de l'insécurité sur les routes, nous avons choisi l'option d'un petit avion. On se retrouve à l'aéroport de Bukavu. Là, nous sommes à l'aéroport de Bukavu. Pour aller sur une mine du Congo, il faut l'autorisation des Chinois. Ça veut dire que il existe un territoire chinois dans ce pays, la RDC. Un territoire chinois, tout simplement, parce que personne ne sait ce qu'on produit dans ces mines-là, personne ne sait les quantités du minerai que l'on sort dans ces mines-là. Personne ne sait ce qui se passe dans ces camps-là, dans ces mines-là. Ils déclarent ce qu'ils veulent, mais c'est classé dans l'artisanat. Voilà, ça c'est le résultat de 18 ans de Kabila. Ouais, bah, chinois, boyoki. Boyoki, y'a l'info, quoi. C'est à l'époque de Tshisekedi, vers le deuxième mandat de Tshisekedi. Là, c'est vers 2019, je crois. À qui concerne la mission, la mine ou chinois. On a refusé. Il était avec le ministre de mine provincial, Yakivu. Babo Yakota, la mine ou la chinois. Tant que j'en ai un sabino que l'on, ailleurs, un Congolais, vous savez, non, tant que pas ma chinois. Tant que pas ma chinois. Tant que pas ma chinois. Mundele, chinois à Mundele, homme de Sagawa, chinois à Mundele, russe à Mundele. Voilà, c'est ça. Alors, Kenjo Mukendi dit ceci. Quand les Congolais, l'UDPS, Félix Tshisekedi se battaient pour chasser le Rwandais Kabila du pouvoir, regardez ce que faisaient les Rwandais, les Chinois, pendant 18 ans. Et Tali Bangote. Et je ne pense pas que ça m'a tiré l'eau avec Fachi Béton. Et ça m'a sauté. Avec Fachi Béton, ça m'a sauté. Voilà. Donc, tu as besoin d'un élément pour les Congolais qui sont formatés à vivre aux dépens des blancs de CC. C'est une aliénation mentale. Arrêtez ce genre de choses. Le Congo aux Congolais. C'est le Congolais qui va libérer le Congo. Moutou Moussouté. Oh, on doit tourner vers ceci, c'est là, on va tourner vers ceci. Pas question. Bissonde, Bisso. Yango, preuve Yango. Donc, Congolais, la Mouka, s'il vous plaît. Alors, deuxième élément, on va faire la Xabino. La liste des traîtres congolais s'allonge. Yangoyo, il se dévoile. Maman dit à Loba, Bwangabi de Nijilou, Lusanzu, Dukulu. Tous ces traîtres vont se livrer en spectacle parce que les Congolais ont prié pour leur pays. Basalaba Lusanzu, Basaka, Basaka, Bachipa. Pour la pouvoir à Fachi Béton. Bah, on va au Mobim. Parce que la décision, Moro, bon, il a levé, le fait que Tshisekedi a pris la décision de lever le moratoire, de Dayachou, dans un autre terme, on a pour YouTube à Kalingaïté, de Moso comprendre de quoi je parle, fini, terminé, Mukwege, il est dans ses états, Ambongo s'est fâché considérablement, bon, il y a le voyou Ambongo est en train de dire. C'est un pas en arrière. Je ne trouve pas que
un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres. Parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges, c'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue de traître pour des règlements des comptes sur le plan politique. Voilà. Un individu, un incivique qui s'est dit cardinal, donc sûrement il a étudié, qui ne sait pas définir ce qu'un traître pour sa patrie, pour son pays. Donc, Ambongo ayebi ko définir terme traître té. Et pour lui, les vrais traîtres, ce sont des gens, ce sont des gens Oyo qui ne sont pas au service de la population. D'après l'homme de Dieu, l'homme du diable, Ambongo, la peine de mort est un pas en arrière. Est un pas en arrière parce que la notion de traître est floue, d'autant plus que les vrais traîtres sont les gouvernements qui ne savent pas, qui ne servent pas la nation. Voilà. Pour l'aïe, bateau balan à pouvoir, ne bangonde, faut pas avoir vrais traîtres qui ne servent pas le pouvoir, qui ne servent pas la population. Je prends juste un exemple. Félix Tshisekedi prend le pouvoir. Il impose la gratuité scolaire. Qui avait combattu la gratuité? Qui a combattu la gratuité scolaire? Mais c'est toi. La personne au pouvoir impose la gratuité pour les enfants congolais, pour les millions d'enfants congolais. Mais toi, tu as combattu ça parce que tu percevais tes pourcentages sur la contribution des parents. Voilà, on a traître à Liboso. Au lieu de parler du traître à pouvoir, c'est toi le premier traître. Parce que toi, selon toi, le traître, c'est celui qui a le pouvoir et qui ne veut pas servir son peuple. Sur cet exemple-là, mais toi, tu dois Dayachou, faut pas Dayachou yo. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, à son âge, Ambongo, on ne connaît pas, c'est qu'un traître. Alors que, lorsque le ministre de la Justice a eu à présenter cette levée du moratoire, il a donné des raisons. Il a donné des raisons. Il a expliqué pourquoi des motivations de l'État. Voilà. Donc, des trahisons en répétition. Mais Ambongo, parlez d'abord de ces trahisons. Parlez de ces trahisons. Ça, c'est d'une part. D'autre part, dans ma groupe, quand j'étais au compte dans ma groupe, je suis tombé sur un Congolais. Une Congolaise et un Congolais. Il se disait maître, un juriste. Évidemment, un juriste de pacotille. Sûrement, ça doit être un bourrique. Alors, Aïe Bissina, lui, il est contre la peine de mort parce que c'est contre la Constitution. Je lui demande de me donner l'article, il me donne l'article 16. L'article 16 de la Constitution. J'ai lu cet article, on parle que la vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. Ça, c'est l'État, parce que la Constitution, c'est l'État Oyo Azoko Tiango qui impose à la population. La vie humaine est sacrée. Alors, que faire des Congolais qui sacrifient, qui tuent, qui annulent d'autres vies sacrées? On a posé la question à Nye, à Kimi. Conscient le but que la vie est sacrée. L'article 16. Ce que faire un individu qui se lève un matin et il va ôter la vie à une autre personne? Or, cette vie est sacrée pour, selon la Constitution. Que faire de cette personne? Nien. Nien. Akimi. Voilà. Donc, ils ont pitié. Alors, avec cette décision, le président Félix Tshisekedi a atteint sa cible.
c'est-à-dire le groupe de traîtres de la RDC, qui, après avoir échoué aux élections de 2023, ils appliquent leur plan B, c'est-à-dire faire une rébellion. C'est-à-dire aussi se faire le prétexte du voyou Kagame. Il s'agit des kabilistes, des katumbistes, Oyo, Bayaki, Nanga, Jean-Jacques Mamba, tout et tout là. Joseph Kabila, Jeannette Kabila, Bangotou. Évidemment, on a remarqué aussi que kabilistes et katumbistes, ils sont en pleurs. De la Kouéna élément Moko Awa, Awa Peter Tchiani, qui est en train d'interviewer un autre voyou là, au tout monde là, les réseaux sociaux, Babani Kode. Que nous sommes encore vers les années 80. Vous voyez les pratiques que ce régime est en train de réinstaurer. Ce sont les pratiques que nous avons combattues à l'époque du Zaïre. Et aujourd'hui, ce n'est plus encore la République démocratique du Congo, c'est la République fantoche du Zaïre. Vous avez connu l'affaire d'Évariste Kimba, le pendu de la Pentecôte. Ouais, ouais. Emmanuel Mbamba, Alexandre Maramba et Jérôme Anani. Voilà. Hey. Voilà. Voilà. Merci Tony Sala. Merci Tony Sala de cette vidéo. Voilà. Togo Memabino, en 1966. Panjuré de Pentecôte, Togo Memabino Kuna. Tous les traîtres, Togo Memabino, la stade de martyrs. On ne mâche pas nos mots, on le dit. Et puis d'ailleurs, le peuple congolais, les patriotes congolais, Bazali Kobenda, Bazali Kobenda, gouvernement, ma taux, justice que non, pas de complaisance. Lever moratoire, donc, d'ailleurs, tu as la procès, cité à l'est, Sodawana, Dayachu, tu as la dette Dayachu. C'est ma caméra, la minité, révolutionnaire, collé, moi, en appel sur mon tu as la dette Dayachu, na Dayachu. Voilà. Alors, vous avez compris, il était. On s'appelle, il appelle Nico Fay, c'était un kabiliste. Il est à Salara Djalé, le pona, Olive Lembe, pona Joseph Kabila. À Kenagi, na plateau, anani, y a katumbiste. Peter Tchiani. Milelo, na milelo. Fati Beton a atteint sa cible. To kwei. Et vous allez comprendre que tous les Congolais qui sont contre la levée à moratoire, wana, basa ba patriote. Ce sont des immoraux, basa ba patriotes d'Abichoté. Voilà. Donc, Mounde le Pesamiwana. Alors, Mozito, de son côté, Mozito, na parti politique naïe, qu'est-ce qu'ils disent? Nathan Rassé que Mozito a dit. Voilà. Mozito dit ceci. La levée du moratoire sur la peine de mort, nouvel élan, parti de Mozito, soutient son application. Seulement aux complices des crimes de guerre dans l'Est. Non aux malfrats Yubabi, non aux Kuluna. Donc, Mouzito Lobby, celui qui est là, il y a un traître, un complice de guerre, il y a un Est, c'est bon. Mais pour la Kuluna, pas que si il y a un donc, la Kuluna, créateur de la Francis Kalombo, c'est Joseph Kabila. Donc, autre chose, comme on a les noms dans le Congo, et ça, j'ai vu même une vidéo, là-bas, là, qui s'est un jeune garçon a mis un Koulou na katye liboko pa mabou. La katye liboko. Tout tika ma koulou na wana. Non. Même lorsque nous grandissions à l'époque, je crois que Maître Bebin a eu ma kambo, la sala koutou ma film pour nous sensibiliser contre ma bandit. Ma bandit urbain. Tout ça qui n'a pas bouda walas. Tout ça qui n'a pas bon. Donc l'État a malheureux soit bango, a joué bango et puis a exécuté bango. Tout m'a exécuté bango. Période wana calme. Calme. Après 10 ans, après 15 ans, mais période où on a calme. Laurent Désiré Kabila, tant Wayaki, n'a qu'un chanchi. Moi, que Dieu dit, j'ai assisté à cela. J'ai vu. Parce que dans mon abisso, ils ont assis ma kanchachi. J'ai vu. Dans mon abato, babandi, ou là, basaki, baro dayachu. Moi, j'ai vu. Voilà. Ils ont goûté ma rabat au bétaté. Donc, c'est comme ça, un État, il faut toujours ma décision, n'est-ce. Alors, Maman Charlotte, je salue Maman Charlotte. Elle m'a donné un élément très important. Il faut te lober là-haut. Les vraies raisons. Quelles sont les véritables raisons
Oyo, ba occidentaux, ba zo sale la, fachi beton, guerre. Voici les vraies raisons de la guerre. Oyo, ba théorie, c'est M23 de Salamalelo contre Fachi. Congolais ont réfléchi, toi, y'a ma vraie raison, Zanin. Raison Liboso. Le président Félix Tshisekedi a maintenu le code minier. Code minier au Kabila Tika Kiwana. Félix Tshisekedi a maintenu la loi. Bon, bah, quand Félix Tshisekedi a relongé la loi, bah, Glencore, bah, Sikomine, bah, quand Fachi Beton a relongé la loi. Fachi Beton a maintenu la loi. Deuxième élément, il veut le départ, Félix Tshisekedi veut le départ de la MONUSCO d'ici fin 2024. MONUSCO, c'est ça le grand groupe armé pour les Occidentaux au Congo pour pas payer ma minerai d'Abisso. Fachi Beton a eu raison Kende. Fin 2024. Troisième élément, le président Félix Tshisekedi veut des accords économiques gagnant-gagnant avec les multinationales. Ça, c'est vrai. Alors, cinquième élément, le président Félix Tshisekedi a refusé les accords du M23 que le Rwandais Kabila avait signé avec ses frères sous le parrainage des Occidentaux. Donc, en clair, Fachi Beton veut l'indépendance totale de la RDC. Ce que les Occidentaux ne peuvent pas accepter facilement. Nous devons accompagner notre chef de l'État pour nous débarrasser de cette fameuse communauté intercriminelle. Voilà. Ça, c'est une vérité. Alors, que je vous ajoute un élément de tous. Très important. Comme là, Zobosa. La montée en puissance des FARDC. Balinga Moté. La levée de l'embargo. Je vous ai dit, embargo en haut, Bamindele, Bango Nyons tout, États-Unis, Angleterre, France, France, Russie, Chine, Bango ne va chercher les Congolais. Alors, Félix Tshisekedi, à l'Ongoliango, tant à l'Ongoliango Sikoyo, alors, et puis Félix Tshisekedi, d'ailleurs, au Baxali Soussou, levé à moratoire, il y a peine de mort. Aïe, Baleli, Baleli. Alors, qu'est-ce que vous voulez réfléchir plus loin? J'interpelle maintenant les Congolais. J'interpelle l'UDPS. J'interpelle la famille Tshisekedi. À part Dieu Tout-Puissant, avec notre Seigneur Jésus-Christ, à part Baron, et d'ailleurs, Dieu n'agit qu'à travers les hommes. Qui peut protéger notre chef? Félix Tshisekedi. Qui? À part Dieu. Évidemment, on prie Dieu. Mais Nzambe ne peut qu'agir à travers les hommes. Si on nani a protégé Fachi Beton, nani. Et je vous rappelle, quand je parle de ça, on rappelle déjà Bino que Yemoro Fachi Beton, il n'a pas peur de la mort. Aïssa Bamindele. Aïssa Baron, attends, vous m'y allez. Vous avez tué Lumumba. Vous avez tué Lumumba. Cette flamme de la libération du peuple congolais a tiré l'eau. Vous avez tué Mzé Laurent Zéré Kabila. Vous avez tué Tien Tshisekedi. Flamme ouane a tiré l'eau. Vous avez tué Moulele. Vous avez tué Joseph Kabi, Joseph Kasavubu. Flamouana exacti les lots. Donc ça sert à rien. Même si vous me tuez aujourd'hui, 10 ans après, il y aura encore un autre qui viendra. Donc négocions. De négocier. Voilà, Fachi Beton. Alors, de toutes les façons, que je vous dis, tout le monde a tout perdre le chef de l'État. Il y en a que je vous dis, tout sensibilisé. Puisque si on perdre guide Nabiso, il y a révolution. Tout le monde a combat en arrière. Tout le monde a la ciment. Dans la laisse, il faut toujours la prudence. L'homme prudent voit le mal de loin. Alors, qui peut protéger notre peuple? Notre président de la République, c'est son peuple. Peuple. Baminele, on a pas de peuple. Souba Monika Ageno et Joyo Azali Azan ancrage na katcha population na ye. Babanga, ils ont peur. Donc, Congolais, il faut y bayaro. Donc, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique, encore moins la France. Encore moins la Russie, encore moins la Chine, Nemutu et vous protéger Fachi Beton. C'est son peuple. Yo, Kenzo, Bissotou, n'est pas protéger chef Nabissou. Évidemment, avec service étatique. Voilà. Il y a maintenant ton bête à Gambela, ton gangaka, ton bois qui UDPS, et ton bois qui famille Tshisekedi. Surtout, ton bois qui atteindre le chef de l'État, ton bois qui a un message, dans la partie, soit. Na famille naïe biologique, oyo, il faut accompagner yé na succès, oyo. A quoi ça la voit bientôt d'ailleurs. Alors, toujours dans le cadre de la Makamboa guerre, la Belgique, toujours message à Geno Belgique, à l'obi qui a aidé
la RDC. La Belgique, Bruxelles disposait à entreprendre des sanctions individuelles contre les autorités rwandaises. Vous voyez ma manifestation, la non? Vous continuez ma manifestation. Donc, le gouvernement belge, le gouvernement belge est prêt. D'abord, il y a conseil d'influence dans l'Union européenne pour obtenir des sanctions individuelles contre les autorités rwandaises. Objectif, l'armée rwandaise est bima na Congo. Est bima. On a besoin de la paix. Donc, bravo, Fatih Benton, Namusa Ozali Kosal. Alors, c'est le premier ministre Alexandre Ndoukou qui a dit, je suis prêt à discuter des sanctions individuelles. Je suis prêt à collaborer avec l'Union européenne en vue d'établir une liste. Nous demandons au Rwanda d'arrêter son soutien au M23 et sa présence sur le territoire congolais. Alors voilà, mais la souka, moutoua a passé information à l'objet. Est-ce que les Arabes ont chapelé de bonnes intentions, soit Bazola et Sabiso, mais toujours recevoir un bloc diplomatique, toujours recevoir un bloc de bas. De l'autre côté aussi, il y a le gouvernement anglais, britannique, lui aussi, à l'objet, bon, il y a le gouvernement britannique, pas l'objet, que la Grande-Bretagne veut apporter son aide à la RDC pour trouver des solutions. Donc, il y a une délégation britannique conduite par Richard Henry Ronald Bennion, ministre d'État de la Grande-Bretagne en charge des affaires étrangères, environnement et climat. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait un pour discuter pour un dossier. Voilà, vous savez que il y a beaucoup de gens qui ont fait un béton. Vous voyez que UK Ndemutubaza au soutenir Kagame Makasi jusqu'aujourd'hui. Donc voilà pour la prochaine abaro sur le dossier à immigration Kagame Ninko aide bango. Voilà, c'est un peu ça. Alors mais c'est pas une raison faire des CBC maboko, congolais BC maboko. Congolais ba manifestation yangoyo et so pesa ba fui. Maman dit Senchoa atidinga manifestation moko sala maki na Utah aux États-Unis d'Amérique. Voilà, yangoyo ba congolais ba so continuer. Voilà. Donc bravo, les États-Unis, la manifestation est très très importante. Voilà. Alors, Augustin Kabouya, dossier formation du gouvernement, message ligne autozui, awa, parce qu'on attend le premier ministre Abima. Alors, formation du gouvernement, le dernier virage d'Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, Aloubi Boye, il a lancé un appel. Le responsable des partis et regroupements politiques formellement identifiés de la coalition majoritaire sont conviés à se présenter ce lundi, lelo le 18 mars, au bureau de l'informateur na Sosimat, quartier à Gombe, dans Baya, Bakoutana. Alors pourquoi il dit maintenant? Parce que la Cour constitutionnelle vient de confirmer tous ceux qui ont gagné na élection. Cour constitutionnelle a confirmé Barreau dans la liste définitive des députés nationaux Ezali Sikoyo sur la table il y a Augustin Kabouya. Donc Liboso il travaillait avec la liste il y a Seni. Donc il a dit définitif, il attendait la liste définitive où il fallait outa na Cour constitutionnelle yango eyé yama ce qu'il faut pas tabler pour toyer bani ngo leka et voilà et puis Tobayeba, qui sera le premier ministre. Alors, déjà, j'ai obtenu de la part de déjà quatre batous, c'est un élément que il y a une dame qui sera ministre, qui sera premier ministre. Moi, si Moro Bazo Tanga, chaque fois, moi, c'est un yeyo, namoni, batubele, bao lobelaye. Apparemment, le président Félix Tshisekedi veut jeter son dévolu sur elle. Poazala, premier ministre. Donc, elle s'appelle Madame Judith Touluka Saminwa.
Elle est de Bas-Congo. Aza Bas-Congo, aza ministre d'État en charge du plan. Donc, Yende Moutou a donc exécuté programme, il y a 145 territoires. Donc, je crois que si j'entre dans la vision du chef de l'État, Azolinga Zoua, Moutou a un projet, il y a 145 territoires dans ma Boronaye, a tchaye chef en gouvernement, pour et comment quelque chose national. Et comment quelque chose national, dans Moutou, il y a premier ministre. Je crois peut-être que c'est ça l'idée, il y a chef de l'État. Donc, c'est une dame, elle est dans MC Bino, bon, voilà, si on a toujours le bas. Alors, quelqu'un qui est en Italie, dans la terre, cette dame, dans ma biographie, naïe, je ne suis pas sûr si elle est de l'UDPS. Je dois te confirmer. Si elle est de l'UDPS, si elle est de l'UDPS, elle peut figurer dans la liste des dauphins de Fatih Bentou en 2028. Soki Azali de l'UDPS, a connu Gozala, dauphin Fatih. Donc, il y a déjà deux dauphins, Kabuya, c'était général Augustin Kabuya, et cette dame. Voilà, donc on aura une projection en 2028, on aura une présidente de la République, une première fois, une dame de l'UDPS, évidemment, et voilà, un premier ministre toujours de l'UDPS. Masolo, il y a Poutine, il y a Medvedev, vous voyez Masolo en route, voilà. Donc, et M. Silika, pratiquement, mais il y a même une interne, il y a une bande, il y a une biographie, il y a le nouveau directeur du cabinet, il y a Fatih Bentou, Anthony Kinzo. Bon, juste là, j'ai lu, il est né en 1976, il est de Bukavu, il est né à Bukavu, il est le DG de la NAPI, je crois, cette structure pour chercher les investissements, programme d'investissement dans Kacha Congo. Alors, ma commissaire, directeur du cabinet, il y a chef de l'État. Alors, là, on peut te dire, il y a que, Sam Belara, église mort, c'est un pasteur à l'église Philadelphie, là où le Fatih Bentou va prier avec Vital Kamerhe. Bon. On a déjà, tout ce qui déjà va brouiller Bélé. Que Dieu Mouké ne veut pas parler de ces bruits parce que c'est le Fatih Bentou l'a déjà nommé. Je ne veux pas jeter un discrédit sur la nomination de mon chef. Mais, par rapport, tout ça, banquette, malam, toyeba, qui il est. Voilà, c'est un peu bien. C'est très important. Voilà. Alors, et M. Siri Banderolangay, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi et priez pour Kenjom Kenji, mon simple de l'UDPS. Baba, à la prochaine.